Audio Jungle. Sobrico.com. Bonjour, je vais bien. Merci d'avoir fait l'acquisition de cette vidéo. Cette dernière a été tournée en seulement 24 heures durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est hélas tout ce que nous savons à son sujet. En effet, Augustin et moi ignorions complètement l'existence de celle-ci, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée, exhumée, par une équipe de chercheurs. Nous avons fait le choix de ne pas la retoucher, et vous la présentons telle qu'elle, sans montage ni appareil critique. Nous n'avons reçu aucune menace durant la mise en ligne de cette vidéo. Personne ne nous a forcés à publier cette vidéo. Au contraire, aucun lecteur en sensibilité n'a pu voir cette vidéo avant son Putain, mes fils de pute. Oh, c'est de la merde le sud, putain. Oh, les mongols. Oh, c'est fait chier, putain. Ils font tous chier, ces fils de pute, putain. Bonjour. Pam chiki pam chiki chi pam pam chiki chi pam pam pang 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 da pega pega. Buongiorno. Oh, wait.
Si, per favore. Going fast is 50, 50, 70. Oh, okay. Grazie. Ciao. Appreciate that. Okay, folks, we're gonna go fast. Des prix moins chers, c'est nous. Sobrico.com. Qui propose de vrais conseils. Radio Dava, tutto il rock e tutte le destre. Ciao ragazzi, tra un momento un discorso di Matteo Salvini su Radio Dava, ma prima John Bon Jovi. Possibile prendere ketchup. Grazie. Excusez-moi, je cherche l'hôpital psychiatrique de Florence. Non, non, c'est toi qui es fou, t'es complètement dingue. Bienvenue au foyer. Merci beaucoup, Sacha Béard, de m'accueillir pour cet entretien exceptionnel avec toi. Dispositif absolument hors norme, mis en place par toutes les équipes de Dava. 17 caméras, 78 micros, dispositif que tu mérites. Merci. Amplement. Je tenais absolument à ouvrir cet entretien en te disant que les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. Et en acceptant cet entretien avec moi, tu acceptes donc l'utilisation des cookies. Est-ce que tu es d'accord, mon cœur ? Bien sûr, mon amour. Très bien. Alors, comment ça va, toi, depuis la réouverture des commerces dits non essentiels ? Quelle horreur que ce terme ! C'est vrai que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Ah oui. Moi, tu sais, j'ai pas attendu une pandémie pour devenir non essentiel. Vacciné ? Anti-vaccin, mais vacciné, ouais. Pfizer, Moderna, AstraZeneca... Roger Gallet. En tout cas, t'as bonne mine, toi. Ah, merci, c'est gentil. De rien. Bah, je me suis mis au sport chez BodyFit. Qu'est-ce que c'est ? 15 minutes de sport chez eux égale 1h30 de sport conventionnel. Sport des lobbies, des merdias, de sport de BF merde VC. C'est où ? C'est rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris. J'y vais une fois par semaine. Bah, nous, madame, on va principalement là où il y a des conflits armés. Proposer notre aide, soutenir les populations civiles. Ça s'appelle DAVA. D-A-V-A. Écoutez, madame, il y a une guerre civile en France. Vous êtes peut-être au courant, non ? Madame ? Raccrochez, putain.
pense qu'on n'aura jamais de producteur. Hein. Ah, Paris, j'y suis retourné récemment pour dîner avec mon père biologique. Donc t'as été adopté? Ah non, j'aime juste l'appeler comme ça. J'ai le droit. Et à l'aéroport, figure-toi que j'ai croisé ta sœur. Tellement belle. Oh, mamma mia, ta sœur. Et ce qui est super avec ta sœur, c'est que c'est Augustin, mais en meuf. Et avec Denis Barre en plus. Tu peux pas rêver mieux, quoi. Et ça fait quoi de grandir avec des femmes, alors? On t'a déjà dit que tu ressemblais à Jean-Louis Trintignant, jeune? Non, mais c'est, j'apprécie, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais c'était pas non plus le premier couteau, quoi. C'était quand Delon refusait un rôle, Belmondo refusait. Il n'était pas le top modèle. Lui-même, il dit qu'il était joli, quoi. Il n'était pas beau non plus. Bah ça, j'en sais rien. Moi, je suis hétéro, donc je peux pas juger le physique d'un homme. Ah, d'accord. Enfin, étant hétéro. Bon, toi, t'es moche, hein, c'est sûr. Mais en tant qu'hétéro, je peux pas savoir si un homme est agréable à regarder ou pas. Si tu me montres un mec dans la rue et que tu me demandes est-ce qu'il est beau, je peux pas répondre parce que ça m'intéresse pas les hommes. Faut demander ça à une femme hétéro ou alors à un gay. Et moi en tant qu'hétéro, je peux pas savoir. Toi par contre, je sais que t'es moche. Toi, sûr à 100%, ouais. T'es très moche. Mais alors, Trintignant, il était moche ou... Je sais pas. Mais moi, je suis... Parce que... Ouais. Donc je suis comme Trintignant quand même un peu. Bah tu le ressembles, c'est tout. Ouais. Mais pas non plus en trop jeune. Enfin, en 70. Comment ça, 70? Les années 70, quoi. Donc quand il avait 40, 50 ans. Ouais. Il a fait des bons films, hein. Ouais. Enfin, tu... Dans le conformiste. Mais moi, j'ai quand même... J'ai moins... J'ai pas... Ouais, d'accord. Après, si... Oui, bah, si tu suis la logique, ouais. Tu lui ressembles, toi, t'es moche. Oui, il est moche. Dans le conformiste, il est moche. Ouais. Mais donc je ressemble dans le conformiste, tu trouves? Ouais, t'es moche, ouais. Mais il a 50 ans à ce moment-là, non? C'est bien entretenu ton jardin, t'as beaucoup d'arbres. Merci. Tu sais, les gens endormis, les gens bêtes, souvent ils essaient de joindre l'utile et l'agréable. Alors que les gens éveillés, intelligents comme moi, eh ben, on a compris qu'il fallait associer plaisir et souffrance. Qu'est-ce que c'est beau? Je me permets de te le dire, ton jardin dans une résidence secondaire comme ça... Non, principale. C'est ma résidence principale maintenant, Augustin. Principale. Merci. Tu sais, moi j'aime vraiment beaucoup les Italiens. Ils ont une peau merveilleuse, des cheveux magnifiques et souvent de très belles dents. Ça doit te faire du bien quand même de te poser, décompresser ici en Toscane après avoir quand même pas mal vadrouillé la majeure partie de ton existence, à la fois pour ta vie professionnelle, personnelle, etc. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé toute ma vie. Alors, d'après mes informations, le premier grand voyage pour toi, c'est la Californie? Est-ce que je me trompe? Comment tu sais ça? Oui, là, c'était la Californie, ouais. Première fois que j'ai quitté Paris, ouais, enfin la France, ouais. Bravo, hein. C'est quand? T'as quel âge? Ça se passe comment? Tu veux en parler, donc, je suppose. Enfin, en même temps, oui, j'ai vu tes émissions. Ok, donc Californie, alors on est en 2009. J'ai 16 ans, je viens d'avoir mon bac. Année importante, 2009 pour toi. Exactement, ouais. Donc j'ai bac en poche, je prends le premier vol pour Los Angeles. Et je me retrouve une semaine plus tard sur un tournage à sucer une bite. Je vois que ça paye bien, je continue, 6 mois passent. Et là, un jour, alors que je suis en plein milieu d'une gorge profonde, je me dis « Hey, et si t'arrêtais de faire ce que tes parents ont envie que tu fasses ?» Et là, j'ai pris le premier vol pour Paris, je suis rentré, tu connais la suite. C'était vraiment ma première décision d'adulte. Et ici, en Toscane, tu peins toujours ? Oui, bien sûr, oui. J'ai progressé depuis qu'on s'est vu et en ce moment, mon niveau se situerait entre le Caravage et Hitler. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans ce cadre idyllique? Essentiellement du doom scrolling, mais j'évite de sortir. Là, parce que tu es mon invité, donc je sors, mais j'évite en ce moment parce qu'on est en pleine saison des araignées.
Exactement. Et ça, je te propose qu'on en parle dans un instant, juste après ce message. D'ici là, le monde aura changé et on va vous le raconter. On revient tout de suite, juste après ça. Vous vous reconnaissez et souhaitez témoigner dans l'émission, alors contactez Léa. Écoutez le monde changer. Écoute tes premiers airs de jazz. Augustin, encore merci d'être mon invité. Raconte-moi, c'est quoi le programme de tes vacances ? Alors ça, si tu m'y autorises, moi je m'imagine très bien passer des après-midi farniente, allongé sur ton récamier, à parcourir comme chaque été le hors-série spécial luxure de famille chrétienne. Récamier ? La banquette que tu as, la méridienne. Là. J'ai ça, moi ? Bah, on dit Récamier, mais c'est parce que Juliette Récamier s'est fait peindre... Je connais pas. C'est une femme de lettres du 19e qui s'est opposée à Napoléon. Connais pas. Bah, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui d'une Arielle Dombal, si tu veux. Quoi. Okay. Qui s'est aussi beaucoup opposée à Macron, à Hollande, à Sarko. Elle a bien fait trembler Sarko au moment de la crise. Ah ouais ? Puis déjà sous Chirac, elle a passé un peu d'exil au Maroc. Hein. Ça n'a pas été facile tous les jours pour Arielle. Et ça a été la route ? Moi, j'ai pris l'avion justement pour éviter le chassé-croisé entre les Haoutiens et les Juifs. Moi, ça roulait très bien. Super. Je me suis même arrêté à Lyon, figure-toi. Bah, mais c'est pas le chemin, ça. En général, tu passes par Mâcon ou Bourg-en-Bresse. Oui, mais comme... en fait, moi, je suis au Crédit Lyonnais. Donc, je me suis dit que ce serait un geste, quoi, de m'arrêter dans cette ville pour ma banque. Mais... D'accord. Voilà, puis ensuite, j'ai poussé vers les Alpes, j'ai traversé les Alpes comme tu sais, l'autre con avec ses éléphants là, Mahomet, je sais pas quoi. Et puis je suis arrivé petit matin à Florence, j'ai traversé, ça doit être je crois le quartier hétéro, c'était magnifique en tout cas. Alors ne t'y trompe pas, ça reste une ville très gay-friendly. Hein. Pourquoi ? Bah, comme en témoignent les Botticelli et puis les nombreuses pistes cyclables. C'est la ville de Dante aussi ? Oui, bien sûr, Dante, évidemment. Et Dante aussi, il était... Dante ? Non. T'es sûr ? Non, je crois pas. Peut-être. Hein. Je pense pas. Tu veux que j'aille voir sur Wikipédia ? Ok, je me rends tout de suite sur Wikipédia. Oui, je pense pas. Hein. On va vérifier ensemble. Alors, Dante est un écrivain hétéro du Moyen-Âge qui n'était absolument pas gay. Intéressé uniquement par les femmes, il est l'auteur de la Divine Comédie, etc., etc. Bon, c'est réglé. Ne quittez pas, restez bien sur Dava, en simultané sur Radio Dava. Dans un instant, nous recevons Momox, le plus célèbre et le plus sulfureux vendeur de livres d'occasion du web. Rakuten, Amazon, pamphlet antisémite de Céline, frais de port, commission, emballage, figure de style... Peine de mort pour les pédophiles. Il répond à toutes nos questions. Les questions des deux auteurs de fiches de lecture. Restez bien connectés, c'est à suivre tout de suite dans le grand Dava face à face. Momox au crachoir. Il va nous répondre sans langue de bois, sans fioriture. C'est Momox. Momox est notre invité cette semaine. Momox a invité. Momox a accepté d'être notre invité. C'est quoi pour toi, l'Italie ? Oh, pour Sacha Béard. Tu sais, en Italie, on siffle les femmes, mais dans le respect. En Italie, on pleure la mort d'un enfant. En Italie, on refuse systématiquement la psychiatrie. Et tu sais, en France, nous, on a l'art de la table. En Italie, ils ont les ingrédients. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer le Subway à Florence. Et je me suis pas trompé, c'était vraiment excellent. Tu connais la devise de Subway ? Nos ingrédients, votre chef-d'œuvre. Et puis j'ai aussi appris que les sandwichs artistes du Subway à Florence, ils sont sous le mécénat des Médicis. Encore ? Ouais.
Et je te mens pas quand je te dis ça, mais c'était pour le moment le meilleur repas que j'ai eu en Italie. Et je suis pas payé pour te dire ça. Oh, mais toutes mes excuses. Peut-être en veux-tu une ? Non, merci. Je ne fume pas. Mais, Augustin, n'as-tu donc aucun vice ? Si. Le latin. Mais quel latin ? Il y en a tant. Oh, quand je dis le latin, c'est celui de Terence ou de Cicéron à la rigueur. Tout le reste m'est barbare. Sénèque est une de mes plus grandes aversions de toute ma vie. Et le latin de Pline me donne carrément des hauts le cœur. Quant à celui de Tacite, je n'en parle même pas. Je le hais au plus profond de moi-même. Tu es délicieux. Je t'aime. C'est si beau ce que tu as dit à Frédéric l'autre soir à Venise. Patrice te manque encore. Il t'aimait beaucoup, tu sais. Il aurait pu beaucoup pour toi, un si joli jeune homme. Et si mordant avec ça. Et alors, est-ce que tu as pris de bonnes résolutions pour la rentrée ? J'essaye. Je me suis dit que cette année, j'allais peut-être essayer de faire l'ENA. C'est un des rares trucs que j'ai pas fait. Donc... Non, mais ça ferme. Comment ça ? Macron l'a annoncé, il a fermé l'ENA. Tant pis alors. Je vais faire rester sur Gulli. Je vais prendre les commandes de la matinale sur Gulli. Ah, cool ! Le 6-9, quoi, classique. Info, talk, comptine, biberon connecté, motricité. On décrypte pour vous tout ce qui fait l'actu de nos bambins. C'est cool. Et toi, j'imagine que tu touches toujours le chômage ici en Italie ? Oui, bien sûr. Mais j'ai eu le temps d'écrire un livre de vulgarisation scientifique qui aura pour titre « La putain de physique quantique de mes couilles ». Et quoi d'autre ? Ah oui, aussi, ouais, j'avais oublié. J'ai accepté de faire le livre audio de la Bible. Ah ouais ? Ça a jamais été fait en version française, alors j'ai dit ok. Ça ressemble à quoi ? On peut écouter un extrait si tu veux. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours ! Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Ce verset vous était présenté par Haribo. Voilà. Bravo. J'imagine que tu as découvert des passages... J'avais jamais lu. ...obscurs, où tu connais par cœur maintenant ? Par cœur non, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui m'ont vraiment bouleversé, ouais. Surtout un. Alors, si je me souviens bien, ça donne quelque chose comme... Jésus vit sur son chemin un homme pris d'un hoquet. Il s'approcha et lui dit « Va et bois un verre d'eau. » L'homme s'en alla en ayant perdu son hoquet. Quelque chose comme ça, mais incroyable. Ouais. T'es plutôt ancien ou nouveau testament, toi, comme type ? Je sais pas, les deux, ex aequo. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et ton nouveau spectacle, j'imagine qu'il sera imprégné de toute cette spiritualité ? En partie. Je suis en plein rodage, ouais. On a fait 600 dates. Donc je suis encore en rodage. Ça ressemblera à quoi ? J'ai un extrait à te montrer, si tu veux on le regarde, on en parle après. Ok. Ok. Cocaïne, salope, suicide, grosse bite. Porno, pénis. Tombe, enterré, Mein Kampf. Putain, un cercueil, déportation des juifs. Me masturber, me suicider, un handicapé. Hitler, la MDMA, cancer de mes couilles.
porno, zoophile, drogue, drogue et drogue, génocide. Mourir, morte, cadavre, l'occupation. L'occupation a enterré son enfant. Je vous suce, s'il vous plaît. Féminicide. Sexe, pas mort, et mort interment. Baiser, cannabis, défoncé, cercueil, pédopornographique, la guillotine, Hitler, dépressif, Hitler. Tumeur, 11 septembre, Mein Kampf, nazi, Mein Kampf, Adolf, je suis complètement bourré. Qui veut voir ma bite ? Hitler, ouvrir les veines, trou à merde. Bravo. Merci. Je peux te donner un conseil ? Ouais. Fais ce métier sérieusement, sans jamais te prendre au sérieux. Waouh. Et ton dessin animé alors, ça aussi, non ? Mon dessin animé ? Le petit chat antisémite, là. Ah, Adolf Litière ? Ouais. Oui, oui, bah on écrit la saison 2. Bah, j'ai remarqué que, en fait, les gens préfèrent quand... Enfin, quand je tente des nouveaux trucs, ils sont pas au rendez-vous. Mais quand je fais des blagues sur les nazis, ils adorent. Donc je me suis dit que j'allais continuer à faire ça jusqu'à ce que je crève. Enfin, je me renouvellerai quand je serai mort. C'est ce que je dis maintenant. Et donc voilà, bah oui, Adolf Litière. Et dans cette même veine, j'écris un long métrage sur le sujet. Hein. Ça va s'appeler « Travail, famille, patrie, les garçons à table ». Et puis, j'écris un film. Alors rien à voir là. J'écris un biopic sur un grand créateur. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu une série sur Versace. Là, il y a eu un film sur l'empire Gucci. Et donc moi, je vais faire le biopic du créateur de Kawe. Il y aura une grosse scène de pluie au début. J'ai hâte. La chance. Moi, mon film que je devais faire sur la Seconde Guerre mondiale, finalement, ça ne se fait pas. Rappelle-moi, lequel ? Bah, c'était l'histoire d'une femme qui est enfermée à Auschwitz, mais par erreur. Et c'est un peu son combat pour faire reconnaître que c'était bien une erreur dans son cas, quoi. Un peu à la Erin Brockovich, tu vois. Ouais, je connais, ouais. Mais du coup, ça a l'air super. Pourquoi ça s'est pas fait ? Bah, désaccord avec la production, pour classique, quoi. Eux, ils voulaient utiliser la Shoah existante. Mm-hmm. Puis moi, je trouvais que le sujet, quand même, méritait qu'on en crée une nouvelle. Mais ça aurait explosé le budget, je sais pas quoi. Enfin, bon. Tu connais un peu le milieu, quoi. Ouais, bien sûr. Non, 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 c'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous branlez depuis un an ? C'est pas compliqué, je veux des restaurants picards surgelés. Et alors ? Même dans les plus grands restaurants, les 4 étoiles, ils congèlent leurs plats. Les Français, ils attendent que ça, parce qu'actuellement, le temps de rentrer de leur course, ils brisent la chaîne du froid. Là, au moins, ils peuvent consommer sur place. Non, tu discutes pas, tu m'ouvres plusieurs restaurants picards surgelés avant 2022, avant les élections. Paris, Lyon, Strasbourg, j'en ai rien à foutre. Je veux des serveuses, un maître d'hôtel, des voituriers. Tu discutes pas. Je m'en fous. Tu ouvres un restaurant picard surgelé ou je t'encule. Et ta femme ? Est-ce que je peux t'en parler plutôt sur scène de ma femme ? C'est l'endroit où je me sens le mieux sur Terre pour aborder les sujets intimes. Ok. Audio Jungle. Alors, je vais vous parler de ma femme. Ah là là, ma femme. Première fois que je l'ai vue, elle était sur un Vélib. Je me suis dit, tiens, une fille qui fait du Vélib, c'est pour moi ça. Elle a l'habitude de se contenter de ce qui reste. Ah là là. Au début, je l'ai séduite par mon côté polyglotte. On regardait Arte en allemand, et je lui traduisais les discours d'Hitler. Je lui disais, tu vois là, il dit que ton arrière-grand-père, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Il les a volées, c'est un voleur, voilà. Il faut réarmer l'Allemagne. Mais je me
me doutais pas qu'en plaçant ma femme sur un piédestal, je devrais aussi surélever le plan de travail de la cuisine. On est où, là? J'ai pas raison. Et qu'est-ce qu'elle est dépensière avec sa cuisine, ma femme, hein? Ah là là. J'aurais dû comprendre quand elle m'a demandé mon numéro qu'elle parlait surtout de mon rib. Ah là là, ma femme. Et quand je lui ai fait remarquer, elle m'a dit « Ah, moi, tout ça, Augustin, je peux me mettre en colère, alors ce sera pas tout joli. » J'ai dit « Ah ouais ? Ah, un peu comme toi, en fait, t'es pas très joli. » Dans notre jargon d'humoriste, c'est ce qu'il s'appelle « Je te casse. » Ce matin, je me lève avec une gaule. Je me dis « C'est quoi encore ce bordel ?» J'attends 5 minutes, 10 minutes, impossible de sortir du lit. Mais bon, finalement, fausse alerte, c'était pas la mienne de bite. Excellent. Ah là là. Et sinon, alors j'ai appris que Skyrock, c'est la radio rap, c'est bien ça? Alors je me disais, et Eurosport, c'est quoi au juste? Quoi, la chaîne cinéma? Quoique, à voir parfois les pirouettes que font certains joueurs de football en cas de faute, on n'en est pas loin. Et on va se quitter avec deux dernières observations du quotidien. Tu sais que t'es accro à la messe quand tu laisses ton rib à la quête. Ça nous est tous arrivé. Et tu sais que tout va mal quand tu dois négocier un tarif de groupe aux pompes funèbres. Merci beaucoup. Merci. Bah, tout un programme. Et toi alors, ta femme? Bah, on attend des jumeaux. Et on a décidé de n'en faire baptiser qu'un seul des deux. Pour voir ce qui se passe. Enfin, juste pour voir, vraiment. Et la baise, Augustin. Tu sais, j'ai fini par comprendre que si j'écris, moi, depuis toutes ces années, c'est pour ne pas mourir. Et maintenant, il faut que je baise pour ne pas tuer. Et chez toi, c'est toujours consenti? Ah oui, oui, toujours. Ah, ça, c'est cool. Les rares fois où j'ai commis des viols, je vais te faire une petite confidence. Ça m'excitait même pas. Comment te baiser? Ah bah ça, moi quand je baise, c'est d'abord un échange de valeurs, quoi. Et, c'est-à-dire il faut être contre la guerre en Irak, très important, contre la guerre au Vietnam aussi, et puis surtout contre le franchissement du Rubicon par César. Ça, c'est, il faut porter en soi vraiment cette colère physiquement, parce que moi j'ai quatre valeurs cardinales qui me définissent. Je dirais que je suis responsable, évidemment. Bienveillant, ça aussi. Et puis ensuite, je suis aussi onctueux et fruité. Et toi, t'as combien de valeurs? Zéro, que dalle. Ah ouais? Sur ma carte d'identité, ma photo, c'est une radiographie de mon crâne. Donc, que dalle, ouais. Déjà? Mais comment tu vas vieillir? Comment tu t'imagines? Bah, j'ai prévu d'éviter la crise de la quarantaine, et ce, en mourant à 39 ans. Voilà. Moi, j'ai beaucoup pensé aussi à tout ça, hein, avec la pandémie. Est-ce que j'allais laisser mon héritage, quoi? Et alors? Bah, je pense que si je maintiens autant d'argent que j'ai aujourd'hui, si par exemple 1 million, bah, j'aimerais bien retirer tout à la fin, en liquide, et tout brûler pour faire augmenter ensuite la valeur de l'euro. De manière générale, pas que ma petite famille, mon petit noyau, non, aider vraiment tous les membres de la zone euro, quoi.
que comme il y aurait moins d'argent, elle vaudrait plus face au dollar, quoi. Okay. Puis après, moi, mon petit corps insignifiant peut le brûler, qu'on m'incinère, voilà. Et puis ensuite, qu'on disperse mes cendres sur des pauvres aussi. Et tout de suite, on passe à la météo. J'ai envie d'en refaire une, tout le monde. Vous êtes tous super. Augustin, est-ce que tu peux la refaire en étant moins nul à chier, peut-être? Ça serait cool. Mais sinon, tout le monde, on continue comme ça, lumière, tout ça, vous êtes super. Putain, j'espère que cette nuit, je vais pas en faire un rêve avec le comte Dracula. Parce que le mec, il est arrivé, j'ai failli me pisser dessus. C'est autre chose que la France, hein. Tu sais que moi, j'ai, mine de rien, traversé une bonne partie de notre hexagone pour te rejoindre ici. Peut-être un avant-goût de campagne électorale, qui sait. Tu te présentes? J'ai pas encore décidé. Je prendrai ma décision à l'automne, une fois que... J'ai joué dans un épisode de Scène de ménage sur M6. Okay. J'attends d'abord qu'il soit diffusé. Suivant la réaction des Françaises et des Français, je me présenterai, ou non, à l'élection présidentielle. Et ce sera pour quel parti? Ça, je ne sais pas encore précisément. Ce sera, bon, à l'extrême droite de l'extrême droite, mais je ne sais pas encore dans quel parti. Et il faut d'abord que j'en parle avec Alain Duhamel. Tu le connais? On s'appelle. On se voit aussi. Dans les Cévennes? Bien sûr, oui. Mmh. C'est vrai que lui, il est Cévenol par alliance. Moi, c'est depuis 7 siècles maintenant. Ouais, on se retrouve là-bas sur mes terres, où je suis bien, avec mes bêtes, sous mes châtaigniers. Autour d'une bonne chichoumeille que nous a préparée Manolo, la voix des gypsies. Des Cévennes, j'ai le relief. La topologie est rude là-bas, le caractère aussi. J'y suis bien, j'y suis ancré. Et elle ressemble à quoi, vos conversations avec Duhamel? Oh, c'est très libre, on parle de tout. Je lui dis, t'as été bon la dernière fois avec Couve de Murville. Je lui dis ça, c'était bien, c'était le moment de lui rentrer dedans à cette fils d'up. Je lui dis ce que je pense, quoi, et lui aussi. Puis on organise des dîners aussi, avec Alain. Ok. À chaque fois, il y a 12 catholiques, 12 protestants et 12 sauvages. Et si t'es candidat, quel sera ton message aux baby-boomers? Moi, j'essaierai de leur faire comprendre qu'ils ont eu les Beatles, ils ont connu les Beatles, donc ça va, quoi. Ils vont pas se plaindre qu'on augmente la CSG. Je veux dire, t'as eu les Beatles, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Bon. Et comment tu la vois, la jeunesse d'aujourd'hui? C'est une génération sacrifiée, pour moi. Ils ont des obligations, des pressions dont on n'a pas idée, toi et moi. Par exemple, ils doivent commencer toutes leurs phrases par « en vrai » et les finir
par « en fait ». Sinon, ils n'ont plus droit à leur bourse. Ça, faut s'informer. Hein. Même un simple « bonjour », ils peuvent plus. Ils doivent dire « du coup » quand ils voient quelqu'un. Donc, ils sont complètement perdus et au milieu de leur phrase, ils suffoquent parce qu'ils doivent placer le plus de fois genre, des justes, des fins, des suffixes en issime, de tous les sens. Tu vois, nous, quand on allait à la boulangerie, nous, on disait « bonjour, une baguette », puis enfin, c'était le bon temps. Oui, oui. Et eux, ils peuvent plus, ils doivent dire « du coup, en vrai, je vais juste, enfin, genre, juste en mode prendre une hyper baguettissime, en fait. » Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux. Mais j'ai de la compassion aussi, parce que ils vivent dans un monde où tout va si vite. Ils n'ont plus le temps de s'arrêter, de lire, de contempler. Avec leurs études en visio, leur chômage qui guette, les attentats à préparer, c'est plus la même chose que nous, quoi. Et la place de la femme dans la société, ça a été une des grandes causes du quinquennat de Macron. Je t'écoute. Peut-être une de ses plus grandes maladresses également. Ah. Parce qu'à mon sens, la place de la femme, il faut voir laquelle aussi. Moi, je trouve, par exemple, une femme belle, ça va, quoi. Elles ont des beaux mecs, les femmes belles, ça va, elles vont bien. C'est vrai. Ouais. Après, les femmes moches, voilà, faut voir quelles sont leurs revendications. Mais je pense que Macron aurait dû cibler, faire un plan ciblé sur les femmes moches. Ça aurait peut-être plus fait bouger les lignes. Et... moi, c'est ce que je ferais si je suis élu. Ce sera ma première mesure. D'accord. Et Zemmour ? On se retrouve juste après ça. Sabine delle Signore, la più grande puta di bordo. Vaffanculo, Hollande. Patrizio Di Fiorno è un coniglio. Ho mal di testa. Ho mal di testa. Et on est de retour. Ok, coupez tout, on arrête tout. J'ai besoin de méditer, là. On arrête, on se calme, je vais aller méditer, d'accord ? Donc je vais partir à l'écart, je vais aller méditer, ok ? Tu ranges un peu les affaires, moi je vais aller méditer. Je vais essayer transcendantal. Sarko, putain. Et Zemmour ? Pas facile. Je m'y attendais pas à celle-là. Mais je vais pas te faire le langue de bois. Je vais dire que c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que pour moi c'est un peu ambigu mon rapport à lui, parce que c'est le seul vrai fan des Rolling Stones dans le paysage politique actuel. C'est vrai. Donc je suis partagé sur le personnage. Quoi. C'est vrai que si lui se présente plus Marine Le Pen, ça risque d'être assez sanglant quand même dans ma future nouvelle famille politique. Ouais, c'est putain d'élection de merde. Enfin, comment tu peux choisir entre la peste et le choléra ? C'est comme si toi, tu me demandais de choisir entre ma mère et mon père. Je pourrais pas. Tu sais pour qui tu vas voter déjà ? C'est secret. Voilà, t'as ta réponse. C'est secret. Et donc, Augustin, je ne te révélerai jamais le nom de la candidate pour qui je vais voter en 2022. Jamais. Merci. De rien. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Allez, on fait une courte pause. Sinon, je suis allé à Florence. Voilà, très belle ville. Et à Florence, ce qui m'a le plus frappé, c'est que on peut vous dire le truc le plus raciste imaginable, puis 10 minutes plus tard, vous servir d'excellente tagliatelle al tartufo. Florence, qui est la ville de Dante, Dante qui a très bien décrit les différents cercles de l'enfer, mais hélas, quand j'y étais, ils étaient tous fermés pour cause de Covid-19. Dommage. Augustin, tu tombes très bien, j'ai quelque chose à te montrer. Rejoins-moi. Alors, il s'agit d'une vidéo, un message de quelqu'un que tu connais très bien. Et voilà, qui voulait te dire coucou. Tu risques d'être ému, je pense. Oui, je pense. Tu risques de pleurer. Oh, ouais, là, c'est... Je tenais juste à te prévenir, on a peut-être là une séquence émotion. Ça va me toucher, je pense. Là, c'est possible, oui. Oh là là. C'est quelqu'un que tu connais bien et qui... Oh, en plus, ouais. Oui. Ouais, ça risque de me toucher. Que tu aimes beaucoup et qui t'aime beaucoup. Oh là là. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'appuie sur play? Bah, vas-y, on va essayer de voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Si je serai ému ou pas, quoi. Ok. Je pense que oui. Allez. Coucou les garçons, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Très beau. J'avance bien, donc je pense passer à Paris bientôt. Et surtout, j'espère vous y voir. Voilà, donc c'était juste pour dire ça. Je fais des gros bisous. À bientôt. Voilà, alors ta première réaction comme ça à chaud, vraiment. Je pense que t'es ému, je suppose. Peut-être un mot. Comme ça, vif. Merci. Merci, ça vaut mille mots souvent, un bon merci. En tout cas, moi je te dis merci aussi d'avoir accepté de participer à ma séquence. Voilà, c'est mon émission. Ton actualité défile en bas de l'écran. C'est super sympa d'être venu pour participer à ma séquence. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'espère que tu regrettes rien et que voilà. Que ce soit les spectateurs ou alors moi ou toi, on est tous passé un super moment. Merci beaucoup. Tu peux rentrer chez toi. C'est super sympa d'avoir participé à ma séquence en tout cas. There's a rumor spreading around that NASCAR are gonna be stopping by and that sticks us down a friendly. Yeah, you know what I'm gonna talk about. Down here in the spotty shallow city center, where locals like to keep it real with their Duomo and local Firenze shit, pretty much downtown. With a Texas Rib on one hand and a Botticello on the other, where writer Dostoevsky wrote his famous novel, The Stupid Shit. 'Cause folks, make no mistake, this ain't just the Italy capital. This Firenze is also the Italian painting barbecue rib and NASCAR capital of the world. Yeah, now wait till NASCAR's gonna be passing by and tackle Big Red. So no matter what fuels you, NASCAR's a ripping guitar solo, all that famous Renaissance griddle flame barbecue rib. Make no mistake, Firenze is where it's at. And I tell you, NASCAR's are coming to town that day for sure. Il reste quoi là? Il reste 2 minutes? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est bien. Ça ira. Tu veux un café, peut-être? Ah, volontiers, ouais. Ouais. Valentin, un café pour l'invité. Merci. Non, je regardais, c'est bien hein, ce qu'ils ont fait là. Merci. C'est, vous avez tout cassé, tout, ouais, c'est pas mal. Ouais, on a terminé il y a quelques mois. C'est récent, ouais, c'est ça. C'est fini à 100% à l'intérieur. Ah ouais, ouais. Ouais. Non, c'est beau.
Ouais, ça a été fait avec, enfin, tu peux l'imaginer, hein, les fonds européens. Européens, voilà. Bien sûr, ouais. T'as raison, tu sais. Et puis, voilà, l'étape suivante, bah, c'est l'extérieur. C'est ce que me disait ta femme. Mmh. Mmh. Pour l'été, c'est ça? Ou... Ouais, on aimerait que ce soit terminé pour l'été, enfin pour les beaux jours. Logique. Ouais. Voilà, le soleil, histoire d'en profiter un peu. La lumière. Et puis pour les enfants, c'est génial. Oh, ouais, ouais. Voilà, faut pas que ce soit toujours les mêmes voilà, qui profitent des choses de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, si tu vois de qui je parle, ouais. Tu suis mon regard. Ouais. Du coup, tu vois de qui je parle? Ouais, mais je pense qu'on va peut-être en parler d'ailleurs. Dans on va en parler longtemps. Ouais. D'ailleurs. Enfin, tu vas peut-être être décontenancé, mais je vais beaucoup te contredire. Oh, mais vas-y, au contraire. Vas-y, c'est bien. Parce qu'il faut qu'il y ait un semblant de débat, sinon on nous fait chier. Mais oui, je les connais. Tu connais? Parce que... Je connais la bête. Entre nous, tu le sais, je suis d'accord avec toi sur à peu près tous les sujets, voilà. Je suis d'accord avec toi sur tous les sujets. Enfin, l'insécurité, par exemple. Ouais. L'immigration? L'immigration, voilà. Ouais, c'est bien. T'as vu ce que j'ai dit sur Macron, là? Ah ouais. Tu sais, il va pas s'en remettre, je pense. Tu sais comment je l'ai appris? Non. C'est ma belle-fille qui, avec son téléphone, elle monte son téléphone et elle monte ta vidéo. Et... Ouais. Mais c'est dingue, la réaction des jeunes. J'ai vu les commentaires, là. Ouais, il l'a mis en PLS. Il l'a atomisé, plein de... Ouais, mais les jeunes, ils adorent ça. Mmh. Quand je fais ça, ça plaît beaucoup, ouais. Ouais. Pour les jeunes, ouais, c'est super, c'est extraordinaire. Tu continues avec ça. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait, hein, je vais te dire. Mmh. Macron ou un autre. Hein. Et voilà, mais je suis très content de pouvoir faire voilà, mes entretiens chez moi. Ouais. Et ben justement, plus tard, parce que là, ta femme, quand elle me parlait de ce que vous voulez faire dehors, moi, je lui ai conseillé une entreprise. Mmh. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Parce que moi, c'est une entreprise sérieuse. Hein. C'est ce qu'on a pris pour chez nous, plusieurs de nos maisons. À chaque fois, c'est impeccable. Pour moi, c'est la reine des vérandas. Et des pergolas. De retour sur Dava. Augustin Chakalpopoulos, bonjour. Bonjour, Sacha Béard. Nous sommes quelques jours après notre premier entretien. J'ai tenu à te revoir parce que la date de diffusion de l'épisode de Scène de ménage dans lequel tu joues approche à grands pas. Première question, est-ce que tu as pu le voir? Oui, je me suis rendu au bureau chez Scène 2. J'ai pu le voir, j'en suis extrêmement fier. Et est-ce que tu connais la date de diffusion? Tout ce que je peux te dire, c'est que moi j'ai donné mon feu vert à M6 Group. Je leur ai dit que je suis prêt à lancer la campagne dès la diff. Maintenant, la balle est dans les mains de Taverneau. Si je comprends bien, tu seras donc candidat. Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Du moins, si Zemmour et Lalanne et Keith Richards y vont, j'irai aussi, immédiatement, dès le jour même. Et si tu te présentes, est-ce que tu passeras par la case primaire? Non, je suis candidat, Sacha Béard. Comment ça? Je viens de prendre ma décision, là. Donc, si je suis candidat, je serai président de la République. Et si c'est un autre candidat qui est élu? Sacha Béard, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Si quelqu'un d'autre est élu ou non, puisque je viens de vous dire, je suis président de la République. Peut-être vous en êtes-vous aperçu depuis le temps, ainsi qu'un certain nombre de millions de Français. Tout d'abord, quel a été pour toi l'événement marquant de ce quinquennat Macron? Oh, Samuel Paty, sans hésiter. Et puis le Vélib qu'on a retrouvé à Bamako, ça non plus, j'ai pas digéré ça. Pour moi, les deux, c'est du même ordre. Quels seront, à ton sens, les thèmes forts de ces élections 2022? Oh, je pense que parti comme c'est parti, la campagne, à mon avis, va se jouer sur les 3 I. Insécurité, immigration, industrie. Ainsi que sur les 2 S, la santé et les stones. Et si on prend parmi ces thèmes, par exemple, les Stones, quel candidat est le plus à même, selon toi, de prendre le lead sur ce sujet dans l'Agora? Dans l'état actuel des choses, Éric Zemmour. Maintenant, si je me lance, ce sera différent. Si je me lance, on aura ce débat. Il viendra, les yeux dans les yeux, projet contre projet, album des Stones après album des Stones.
Parce que M. Zemmour, dans son livre Le suicide français, il a eu des mots très durs contre les Stones, tout un chapitre, sur le concert de 73 à Bruxelles. Des mots qui ont pu blesser mon nombre de rockers, qui ont peut-être même pu blesser les Stones. Des mots qui auraient pu aussi tuer Charlie Watts. C'est fort possible. Charlie Watts, dont tu étais proche, il me semble. C'est vrai, je l'avais rencontré une fois, je dirais pas qu'on était amis, mais on s'appréciait beaucoup. Et je me souviens que la première fois qu'il m'avait rencontré, il m'avait dit « Augustin, mais quelle est ta définition du succès ?» Et je lui avais répondu « The willingness to lose it all, it's believing in an idea so hard that you're just ready to lose it all. » Et il m'avait répondu que j'avais raison, que c'était ça, le succès. Est-ce que tu rejoins quand même Éric Zemmour sur certains sujets, certains diagnostics ? Ce qu'il dit sur l'euro, ça fait des années que je dis la même chose sur la vie. Je considère que c'est une erreur monumentale d'y être entré, d'être né, mais que maintenant qu'on est dedans, ce serait encore pire d'en sortir, quoi, de suicider, que ce serait une gabegie administrative, financière, rien que l'héritage avec tout le fric que j'ai. C'est, hélas, ça vaut pas le coup de mourir, quoi. Et sur la politique extérieure, que ce soit l'OTAN, l'Europe, je crois que tu souhaites un renouveau géostratégique pour la France. C'est ça. Je pense qu'on doit revoir toutes nos alliances en profondeur. Je pense notamment à notre partenaire le Royaume-Uni, maintenant qu'ils sont sortis de l'Europe. Il faut réinventer notre relation qui est si belle. Et je crois que désormais, la reine d'Angleterre est célibataire. Moi, je suis célibataire. Tu vis seul. Et elle a des gros seins. Il se trouve que j'aime les gros seins. Moi aussi. Voilà. Donc tu vois, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui peuvent bouger sur notre continent pour une alliance du 21e siècle. Mais attention, hein, moi, parce que mes propos vont encore être déformés, je ne compte sûrement pas remplacer le prince Philippe. Surtout pas, jamais. Ce serait indigne, c'est pas mon rôle. Tout ce que je peux dire, ce que je souhaite, c'est qu'on s'accorde, peut-être, on pourrait s'accorder des moments sympas, des moments câlins, à l'abri des regards, pour nos deux nations. Et l'insécurité, c'est un sujet qui préoccupe assez les Français, hors Corse et Dom-Tom, bien entendu. L'insécurité. Je vais te raconter une anecdote. Mm-hmm. Tu prends le métro ? Non. Le bus ? Le RER ? Non plus, non. Le tramway, peut-être ? Non. Tu marches ? Oui, bien sûr. Tu vois l'insécurité ? Les brigands, ils sont là. Ils t'énervent. Ouais. Ils t'irritent. C'est vrai, comme beaucoup de Français. T'en as marre ? Oui. Ouais. Eh bien, tu vois, moi, non seulement ils m'énervent, ils m'irritent et j'en ai marre, mais en plus, je les désire sexuellement. Comme un certain nombre de millions de Français. Donc, il faut que ça change. C'est un enfer. Quelle mesure alors ? Les Français veulent baiser. Un président doit prendre en compte cela. Sinon, il n'est qu'un gestionnaire. Oui, mais quelle mesure sur le régalien pour couper l'insécurité à sa racine ? Plus que l'insécurité, la criminalité, moi, ce qui m'a beaucoup frappé lors de mon tour de France des classes populaires, c'est leur profonde vulgarité. Le temps des propositions viendra. Mais à mon sens, la vulgarité englobe bon nombre des problèmes de nos concitoyens. C'est pourquoi moi je veux diviser par deux les meurtres et doubler les suicides à horizon 2027. C'est la mission que j'assignerai à l'éducation nationale. Justement, on va parler d'une ancienne ministre de l'éducation, Valérie Pécresse, qui a dit « La place d'un clandestin, c'est dans un charter ». Qu'est-ce que tu lui réponds ? La place d'un clandestin, c'est dans un charter. D'accord. Oui. Moi, je vais plus loin que Madame Pécresse. Mon grand désaccord avec elle, c'est que moi, je suis prêt à tout pour que ces gens puissent, lors de ce voyage, cumuler des miles. Et je serai intraitable avec les compagnies aériennes et les opérateurs de duty free. On te sent prêt véritablement à entrer dans l'arène politique. Si tu avais face à toi, je sais pas, Arnaud Montebourg, là, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais tout simplement bonjour, Sacha Béart. La politique, c'est aussi de la politesse. C'est la démocratie. C'est la République. Écolo, peut-être ?
Tu as un programme écolo ? Oui, je veux des espaces verts, plus. Je veux un air plus pur, je veux un sol plus nourri, je veux plus de pâturage. Et comment faire pour Mais avoir... en tuant des gens, Sacha Béard. Moi, je veux une écologie, des résultats. Et l'État doit retuer. Les morts gouvernent les vivants, disait Auguste Comte. Eh bien, moi, je veux un gouvernement fort et nombreux et renouvelé très souvent. À ce propos, quel est ton message aux agriculteurs qui nous regardent ? Eh bien, je voudrais tout simplement leur dire, c'est quelle caméra ? C'est là. Là, je voudrais tout simplement vous dire, les aléas climatiques, les inondations, le gel, la sécheresse, rendent vos vies incertaines. Eh bien, peut-être est-ce le signal qu'il est temps pour vous de trouver peut-être un vrai métier. Parce que arroser les plantes, regarder les cultures, caresser les vaches, c'est très bien, mais on fait ça en rentrant du travail, ou bien le dimanche. Voilà. Il faut que ça reste un loisir, pour que ça reste pour vous aussi un plaisir. Voilà mon message aux agricultrices et aux agriculteurs qui sont très durement touchés. C'est vraiment pas facile pour eux actuellement. Quelle est ta famille politique en termes d'idéologie Je suis un gaulliste social. C'est-à-dire que mes deux figures tutélaires, c'est De Gaulle et Hitler. Parce que qui s'adorait d'ailleurs en privé, hein, on le sait maintenant, c'est vrai que leur rivalité a été un peu montée en épingle par les médias pour vendre du papier. Mais pour une confidence, le discours de Hitler sur la solution finale, mm-hmm. On a vu que l'auteur finalement, c'était un certain C. De Gaulle. Donc tu vois, ils s'échangeaient des trucs, des tips. Je savais pas. C'est un peu exactement comme les Beatles et les Stones 20 ans plus tard. Qui en fait étaient très potes. Bon, alors c'est vrai que les nazis, c'était plutôt les bad boys. Et puis ce nazisme qui est d'abord, avant tout, pour moi, un look. Voilà. Donc, choisir entre De Gaulle et Hitler, moi, je m'y refuse. Voilà. Et donc, De Gaulle, je revendique l'héritage institutionnel considérable, la 5e. Je revendique également les grands projets pour la France, la lutte contre le nazisme également. Et puis de Hitler, ben je revendique le nazisme d'abord et avant tout, et puis les grands projets aussi. Et sur l'islam ? Le voile intégral n'est pas compatible avec le réchauffement climatique. Alors quand il pleut, je comprends tout à fait qu'on veuille porter un voile, surtout des personnes qui ont les cheveux qui frisent facilement avec l'humidité, mais on est quand même dans un monde qui va vers moins en moins de précipitations. Justement, les défis liés à l'immigration... Eh bien, les défis de l'immigration, justement. Le général de Gaulle lui-même s'en inquiétait. Que son village de Colombey-les-Deux-Églises, il ne voulait pas qu'il devint Colombey-les-Deux-Mosquées. Et moi, je n'ai pas envie qu'en 2050, on aille se recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Tempes-Frères. Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans le 13e arrondissement de Paris. Et je suis la situation minute par minute. Je me rendrai immédiatement sur place après notre entretien. C'est quoi la laïcité ? La laïcité, c'est la discrétion dans l'espace public. La laïcité, c'est permettre à Thierry, à Jamila et à Li Yu-Tsing de ne pas téléphoner en public, de privilégier toujours le SMS. Mais je pense également à Charlotte, maraîchère à Château-Chinon, qui trébuche sous les charges. Et Gaëlle de Gap, que j'ai rencontré hier, souhaite un nouveau forfait 5G avec plus de gigas, sans rogner sur son budget. Eh bien, Gaël de Gap, vous allez être gaga de cette offre géniale. Bouygues Télécom. Gaël de Gap voudrait se doter d'un nouveau smartphone 5G et d'un nouveau forfait encore plus généreux avec plein de gigas, sans rogner sur son budget. Eh bien, Gaël, vous allez être gaga de cette offre géniale. Bouygues Télécom lance ses nouveaux forfaits sensations. Et pour l'occasion, bénéficiez de 100 euros de remise immédiate sur une sélection de smartphones avec le forfait sensations 80 gigas. Eh oui, 100 euros de remise. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à voilà condition et vous, réseau 5G. Voilà pour vous, Gaël, mais je vous le redis, utilisez cette offre de notre partenaire en privilégiant toujours les SMS. Pour revenir sur l'insécurité... Mais c'est de l'insécurité. Quand en France, dans toutes les villes de France, on ne peut plus se promener le soir dans les rues de nos villes sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en train de téléphoner derrière soi. Vous trouvez ça normal ? Quand en France, dans le train,
On peut plus prendre un train sans que quelqu'un téléphone à côté. Moi, ça me choque particulièrement quand on connaît l'histoire du ferroviaire. Et parfois, je me dis que s'il y avait eu les téléphones portables pendant la déportation, moi, j'aurais vraiment pété un câble. Pardon pour le langage, mais ça aurait été la goutte d'eau pour moi. Et comment y remédier alors ? Remédier ben, avec le travail. Moi, je voudrais parler du travail sur ce plateau. Allez-y. Je voudrais parler de Marguerite, que j'ai rencontrée hier, qui est ouvrière. Ouvrière à quoi ? Eh bien, dans la confection hydraulique. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Du côté de Vaux-les-Rueil, sur Saône. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle est fière de son travail. Elle est au SMIG, assez drôle. Pardon. Pardon, allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Revenez. Je suis désolé pour les spectateurs. C'est pas... Donc... Excusez-moi à tous ceux qui nous regardent. Non, Marguerite, c'est ça. Donc, Marguerite. Pardon, allez-y. Vas-y. J'ai rencontré hier Marguerite sur la chaîne d'approvisionnement d'assemblage à l'usine de Vaux-les-Rueil sur Saône. C'est pas ça que les Français veulent. Et je pense c'est... On peut avoir des moments voilà, d'égarement en direct. On est humain, comme tous les Français qui nous regardent. C'est... Mais rien à voir avec ce que vous disiez. On vous écoute. Donc, qu'est-ce que vous a dit cette femme ? Elle vous a touché, j'ai l'impression. Cette femme, elle était fière de son travail, elle est au SMIG. Et ce qu'elle m'a dit, elle se plaint pas. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas pris une semaine de vacances. Pourquoi ? Ça vous fait rire encore ? Quelle indignité. Vous montrez un spectacle déplorable de la télévision française. Et les Françaises et les Français se feront leur avis. De toute façon, pour le moment, vu des sondages, vous n'êtes même pas au second tour. Vous savez que je suis le seul à pouvoir gagner. À rassembler. Enfin, pour le moment, dans les sondages, vous n'arrivez même pas au second tour. Ça fait 2 fois que vous le dites. Ah, c'est drôle encore. Vous allez encore rire sur les petites gens. Les 100 grades. Je tiens à m'excuser auprès de nos téléspectateurs. Moi, je voudrais parler travail. Pour ce lapsus. Et on va maintenant reprendre donc, l'entretien Marguerite, avec Augustin Chekelpopoulos. Nous vous écoutons. Elle est très digne. Marguerite, elle est au SMIG. Et ça fait 5 ans, qu'elle n'a pas pris de vacances. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle doit financer les études de ses enfants. René et Josiane, qui sont étudiants du côté de Versailles. Ce qu'elle décrit, c'est la réalité de la France d'aujourd'hui. C'est la réalité de millions de Français qui travaillent, que ça vous plaise ou non. Et c'est la réalité de Français qui baisent. Marguerite, elle a baisé au moins 2 fois, si mes calculs sont bons. Il est temps maintenant d'en assumer les conséquences.
et sur l'économie. On n'a pas encore parlé d'économie. Est-ce qu'on peut parler d'économie, Augustin Schkelpopoulos ? Moi, je voudrais parler du travail. Je voudrais parler de Marguerine, que j'ai rencontrée hier. Et sur l'économie ? Parce qu'on n'a pas encore. Et qui assume les conséquences de baiser. Est-ce qu'on peut parler d'économie ? L'économie ? Parlons-en. Voilà, on n'a pas encore parlé d'économie. Eh bien, je refuse d'en parler, de m'exprimer là-dessus. Les Français n'y comprennent rien, ça les embrouille. Et tout ce qu'ils ont, ça ne les regarde pas d'ailleurs. Okay. Tout ce qu'ils doivent savoir, c'est que moi, président, j'étendrai l'allocation adulte handicapé à toutes les personnes qui parleront espagnol dans un lieu public. Ou l'arabe. Ou l'arabe, tout à fait. Le dernier rapport du GIEC qu'on peut citer, qui rappelle que l'espagnol est encore aujourd'hui la langue qui pollue le plus. Maintenant que tu te diriges vers une candidature, on va aborder, si tu le veux bien, la sphère privée. Les Français aimeraient beaucoup savoir, quel baiser es-tu ? Ah, intéressant. Ou alors, quel baiser es-tu ? Bien sûr. Moi, je voudrais dire aux Français, tout simplement, que moi, à mon stade physique, je ne peux plus miser que sur des fétichistes. Quoi. Quelqu'un fétichiste des caucasiens, ou quelqu'un qui t'apprête chauve sur les sites porno. J'ai compris que j'ai plus les moyens d'espérer les imbéciles. Et qu'il faut donc maintenant que je mise tout sur les psychopathes. Voilà pour les petites confidences. Qui nous aide à mieux connaître le peut-être futur président de la République française. Un dernier mot aux Français, avant qu'on se quitte. Non, simplement dire que, bah, que je les encule et puis voilà. En tout cas, tu es loyal, ça, on ne peut pas te l'enlever. Je dis les choses. Il faut, les Français veulent qu'on dise les choses, c'est ce que je fais. Voilà, il ne faut pas avoir de tabou, vous savez, en démocratie. Et moi, mon seul tabou, c'est la vulgarité. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous aussi, vous avez été très loyaux. Toute la chaîne, hein, toutes les conditions ont été respectées. Merci d'avoir répondu présent, Augustin Schkelpopoulos. On vous souhaite bon courage pour la suite. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé. Tout de suite, le rappel des titres, Lauriane Delanoë. Presque 500 morts du coronavirus en 20 ans. Ça a été super. Ah putain. Sans moi, les gestes barrières, putain. Je suis même pas vacciné. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, les PD, putain. Je suis désolé hein, qu'on n'ait pas. J'avais prévu de te lancer sur les paradis fiscaux et. Ouais, tu sais, pour que ensuite t'enchaînes sur les fausses cartes vitales. Les putes, ouais. Ouais. La prochaine fois, tu me feras parler un peu des putes. Ouais, tu veux ? Ouais, ouais. Ok. Non, mais je dirais deux, trois trucs pour avoir la gauche. Pour pute. Attraper à gauche. Ok. Non, j'ai noté. On parlera des putes. Ouais. Ok. Tu veux parler d'autres trucs ? Non, mais évite les trucs écolos, ça fait chier tout le monde. Ah ouais, parce que j'ai. Ouais ? Ouais, ça fait chier. Ok. Parle-moi des putes et. Ok, parler des putes. Puis voilà, dans le reste, ça allait, quoi. C'est bien que t'aies dit les Arabes, t'aies mentionné, ouais, bah t'aies oui, dit bah... le mot, quoi, c'est important. Parce que t'avais dit espagnol, j'ai ouais, pas espagnol, compris. Ouais, espagnol, moi j'avais que, ouais. Et c'est bien, tu vois, j'avais même pas pensé à rajouter l'arabe non, mais c'est dans ce mon que je projet, dire. Mais je vais le faire, grâce à toi. Non, parce que du coup, comme je te connais un peu à côté, je peux comparer, et quand t'es en meeting, tu utilises beaucoup moins de vocabulaire que d'habitude, mais tu fais vraiment attention aux mots que tu utilises. Et tu utilises vraiment les mots les plus puissants du vocabulaire français, vraiment qui... Bah merci. Hein. Parce que moi, je les connais, les gens qui nous regardent. Hein. Avant, j'étais pas ici, j'étais voilà, reporter de terrain, ouais. C'est quand il y a de la neige et des trucs à la con ou des grèves de merde. Les PD. exactement. Et moi, je sais qui nous regardent. C'est des gens, ils sont... c'est les gars. Et tu sais quoi? Ils savent même pas s'inscrire sur la liste électorale. Tellement ils sont bêtes. Mais je pense que tu vas quand même avoir des voix. Mais c'est ça notre audimat. C'est triste, mais. On n'est pas beaucoup regardé à Paris. Tu veux bouffer un truc ou. J'ai l'hélico là, de la préfecture. Ah ouais? Ouais. C'est un pote. Ils en ont pas besoin? C'est un copain. Ah, j'ai fait qu'une fois de l'hélico moi. Bah, écoute, tu peux me redéposer après ? Ouais, tranquille. Okay. Tu veux aller où ? Enfin, en France ?
On peut aller en Allemagne. Bah écoute, si tu peux. Bah écoute, on est dans les Alpes, autant... Ouais. Tu me donnes juste 5 minutes. Faut que je parle à quelqu'un, là. Ok. Enfin, au monteur. Parce qu'il y a un truc que je... Enfin, du coup, je vais couper la séquence écolo, si tu... Ok. Ouais, ça va? Ouais. Ok. T'es hétéro? Ah, non. Votre soirée sur les chaînes du groupe Dava. 18h sur Dava Ibi, More. Déficit, votre fiction Orbis. Quotidienne en latin. Quid novi, Augustin? Nihil, corista queris. Nihil sane. Et tu, quid novi? Perinde ac cadaver. Cupio dissolvi in partibus infidelium. Talis qualis. 21h, grande soirée spéciale sur Dava Cousiné. Plus de 2h40 d'imitations de Hollande et Sarkozy dans un décor de rêve. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Carla. Bienvenue, Nicolas, dans les vacances normales. Bonjour. Moi, après, je vais faire du vélo, peut-être. Avec Carla. Avec, elle a fait les chansons, ma femme. J'espère ne pas vous apporter la pluie. Ça, pour l'instant, ça se dégage. Et Julie, elle fait des films. Ma femme, elle chante. Elle fait des chansons avec Carla. C'est Carla. Et Valérie, elle va bien. Valérie. Oui. Bah, c'est bien. Elle était pas contente. Pourquoi? Après, elle aurait dû... Elle a fait un livre. Oui. Sur votre relation. Car avec Valérie et vous. Et que je vais m'acheter peut-être une Rolex ça, à Florence. Moi, je vais prendre mon scooter. Un Vespa. Ça. Moi, je vais dire de faire des pizzas avec Carla, c'est son pays. Pourquoi parler du Parti Socialiste? Oh. Et ma femme, elle est italienne, fait des pâtes à la maison Carla. Et j'ai connu Matteo Renzi quand j'étais président normal. Ouais, parti socialiste. Oui, parti socialiste. 23h inédit sur Dava Green. Sacha Béart nous ouvre les portes de sa joyeuse tribu qui s'agrandit en respectant la planète. Je suis végétarien, mais je cuisine de la viande pour mes enfants. Montre-moi sur le Christ rédempteur où le méchant monsieur t'a touché. Bonne soirée sur les chaînes du groupe Dava.
Salut, salut, c'est le tireur des Cévennes qui vous parle. Je déconne. Merci beaucoup d'avoir visionné notre programme, ça nous touche beaucoup. Je vais toujours bien. Concernant la question qui a été posée durant l'émission, le nom du gagnant ou de la gagnante s'affiche en bas de votre écran. Donc bravo à lui ou à elle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore, oui je sais, pour la millième fois. Merci, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, d'avoir pris le temps de le faire. Ça nous touche beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à lundi. Ciao, ciao, ciao.